Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, 13e vidéo de notre aventure à Taïwan. Nouvelle journée à Kaohsiung et aujourd'hui on a un super beau temps, le ciel bleu, le soleil et on est actuellement au croisement de deux axes principaux de la ville et les quatre grandes structures que vous voyez là, je ne sais pas si vous les voyez, mais ce sont des entrées pour le métro. On a une énorme station de métro ici, la station Formosa Boulevard. Et dans cette station de métro, il y a une immense œuvre d'art qui est un dôme de lumière créé par un artiste italien. On va vous montrer ça juste après, c'est magnifique. Là, on vient de rentrer dedans, on a filmé quelques images. Et dans la station de métro aussi, qui est très très grande, il y a plein de restos. Et on s'est trouvé un petit resto japonais qui faisait des ramen. On vient de se régaler avec ramen au porc. Et ensuite, on a apprécié la station de métro, cette immense œuvre d'art. C'est un dôme de lumière d'un diamètre de 30 mètres. C'est vraiment extrêmement grand. C'est super beau. Et maintenant qu'on a bien mangé, parce que c'était quand même bien copieux, on va aller éliminer tout ça et on va encore marcher aujourd'hui. On va se rendre dans une zone où on a été hier. On est tombé par hasard en marchant sur une rue où tous les bâtiments étaient peints de street art. C'est super joli. Magnifique. Et vu qu'on y est passé hier très rapidement parce qu'on voulait aller à la plage de sable noir où on s'est pris une rafale pas possible, on voulait apprécier le coucher de soleil qu'on n'a pas eu, mais on y est passé très rapidement. Donc on y retourne aujourd'hui et on va finir la journée par l'île de Sijin qui se trouve donc sur la côte ouest. On voulait y aller hier mais on était un petit peu short niveau timing. Il faut prendre un bateau et ensuite il y a des plages, des restos, des petites rues sympas. À mon avis, ça va être encore une sacrée belle journée et si le temps reste comme ça, ça va être parfait, j'ai remis le drone dans le sac. On espère pouvoir filmer un petit peu la côte aujourd'hui. A tout à l'heure. On est arrivé sur l'île de Sijin et plus exactement sur la plage de Sijin. On est en plein coucher de soleil, c'est magnifique. Juste avant, on est retourné dans la zone où on était hier, comme on vous disait, avec des bâtiments de street art absolument partout. Ah oui, c'était magnifique. La zone est magnifique avec le tram qui passe entre les bâtiments, c'était super. Après, on est repassé dans le tunnel comme hier soir pour retourner sur la plage où on était hier, la plage de sable noir, parce qu'on voulait envoyer le drone. Et arrivé là-bas, parfait, ciel bleu, temps dégagé, pas de vent, nickel. Mais interdiction de filmer au drone parce que je crois qu'il y a une zone militaire pas très loin. Donc
on est reparti, on a fait quelques petits plans sympas. Ensuite, on a longé le port et on a pris un bateau pour arriver sur l'île de Sijin. Et arrivé sur cette plage, j'ai pu envoyer le drone. On vient de filmer la plage, on vient de filmer là le soleil en train de se coucher. On a filmé cette magnifique plage, il y a du vent, attention. Et donc ça y est, premier vol du drone en Asie. C'est à Taïwan, à Kaohsiung, ça fait plaisir. Je vous laisse donc avec les images qu'on vient de filmer en drone du coucher de soleil. On va continuer à le filmer ce soleil parce qu'il n'est pas encore couché totalement. On ira ensuite se trouver quelque chose à manger. Il y a plein de petits stands de street food, il y a aussi des restos. Bref, on va trouver quelque chose. Soit on mangera sur l'île, soit on mangera un petit peu dans la zone de notre logement en revenant. Bref, à tout à l'heure. Après le coucher de soleil sur la plage de Sijin, on a pris la direction du phare de l'île de Sijin. Et on avait hésité à y aller, monsieur. Ouais, on a hésité parce qu'on avait voulu le faire l'après-midi, on est arrivé un petit peu tard et puis finalement on s'est dit, allez, une fois que le soleil est couché, peut-être qu'on verra le phare illuminé, ça peut être sympa, on avait peur de rien voir. Mais alors ce qu'on a vu, quelle vue ! C'était magnifique. Quelle vue sur l'île de Sijin et même sur toute la ville de Kaohsiung. Sur la ville, incroyable. Le ciel, il était magnifique. Donc. Le phare illuminé, on a vu le soleil coucher. On a fini la journée avec un bon petit plat. Et encore, je dis bon petit plat, mais c'était un bon gros plat parce qu'on voyait... On voyait peut-être pas sur les images, mais c'était quand même bien gros. On a pris du porc rôti qui était juste excellent. Ouais, super fondant, franchement, il se mangeait tout seul. Il fondait dans la bouche, vraiment excellent, avec un petit œuf bien coulant un petit peu partout. Parce que ce midi, dans le ramen, l'œuf n'était pas coulant, pas liquide. Ouais. Il était assez dur, on était un petit peu déçus là-dessus pour l'œuf. Mais l'œuf de ce soir était très bon. Et en dessous, il y avait pas mal de riz. On voyait peut-être pas sur les images, mais beaucoup de riz. Et on s'est
régaler. Encore une bonne journée aujourd'hui à Kaohsiung. On quitte la ville demain pour une nouvelle destination. Essayez de deviner en commentaire où est-ce qu'on se rend demain. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, il est encore temps de le faire. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner. Ça ne vous coûte rien et nous, ça nous soutient énormément. Pareil pour les likes, si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un like sur la vidéo. Et pareil pour les commentaires, on vous le dit à chaque fois, mais on adore vous lire. Et en plus de nous faire plaisir, vos commentaires permettent aux vidéos d'être mises en avant par YouTube. Donc merci à tous ceux qui nous soutiennent. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo à Taïwan. À la prochaine.